déjà eu le jour de la range sur en Langlade, mais j'ai eu le lac à péter. Toujours il faut qu'il fasse son intéressant. Voilà. Il faut toujours qu'on le remarque. Il nous invente un rhume avant de partir. Ah, ouais, ouais, des excuses, pêcher, des excuses. Il nous fait la rage dedans, tout ça. Ah, quel piche alors celui-là. Bon, alors pour expliquer un peu cette nuit, j'ai mon pivot qui a éclaté et j'ai une mâchoire humblement explosée. Mais tout va bien, je vais aller pêcher quand même. Et voilà. Rhode Island. Allez. Il fait beau, tout va aller bien. Et Gilos. Big Silver Street Bed. On est pris. C'est énorme, hein? C'est énorme! C'est ma première immersion sur des éoliennes offshore. C'est très impressionnant dans l'eau verte, ces piliers qui s'enfoncent comme ça. On y va pour chercher spécialement les tassergales. Et dès la première apnée, au milieu des six basses, je détecte le premier, sans savoir que ça allait être le début d'une longue série. Un tir, un petit combat. Il faut éviter que le poisson s'en mêle dans les piliers. Il faut savoir sortir des piliers pour éviter que tout s'en mêle. C'est pas facile, le stress monte vite. La surface est vite arrivée, heureusement. Je m'écarte, saisis mon poisson, afin d'attendre tranquillement le bateau. Pas de voir la tête qu'il a. Il y avait des six basses partout. Et le courant? Le courant, ouais, c'est sûr. On monte à bord du bateau, voilà. Il faut que tu y ailles à la prochaine. Je suis descendu à 3 mètres. J'avais 56 basses de 10 kg dessus. Et je tire ta sergale au milieu. Trop facile. Et il est là. Même dans mes trips à l'étranger, je prends du temps pour expliquer à mes amis comment pêcher. Je descends le premier afin que Sylvain me suive pour qu'il soit rassuré. Car c'est très stressant de descendre dans cette eau verte au milieu des piliers. Très vite, en me suivant, il aperçoit le poisson. Il part dans mon dos pour se libérer de ma zone de pêche. Et dans le banc de six basses qui lui arrive, il repère un tassergal. Il gère son tir, son fusil à deux mains parce qu'il est un peu lourd et il tire. On s'apercevra plus tard que son fusil avait pris l'eau, malheureusement. Je fonce sur lui pour l'aider. Et il commet l'erreur de vouloir retourner vers la structure. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Va pas vers le poteau, va pas vers le poteau. Il faut obligatoirement s'éloigner de la structure pour que le poisson soit en pleine eau et qu'il n'y ait aucun risque. Je descends en suivant le fil dans l'eau verte. Je le distingue. Et je m'empresse d'essayer de le doubler. Voilà, le poisson est doublé, c'est fini. Allez, tire au fil là.
il faut un début à tout. Premier de la série. Allez, 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 la gueule sur la caméra. Look at him. Bravo, Sylvain. Vraiment très facile. La descente dans l'eau verte est toujours stressante, toujours angoissante, surtout au milieu de tous ces poissons. Mais il faut savoir gérer son stress, calmement, prendre des appuis, des repères. On coule vite sans avoir vraiment de point d'appui, parce qu'il n'y a pas de barre horizontale. Il y a du poisson en haut, en bas, sur les côtés, partout. C'est vraiment infesté de vie. On apprendra plus tard que c'est aussi infesté de gros requins, y compris du grand blanc. Heureusement, nous l'avons appris après le séjour. Mais c'est quand même magnifique d'être posé comme ça, accroché en pleine eau, et d'avoir ces poissons de 4, 5, 10 kilos qui vous passent devant et qui s'amusent avec vous. C'est quand même génial. Et au milieu, le tassergal. Il est facile à reconnaître. C'est un poisson que j'adore pêcher, qui m'a résisté pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, je fais de très belles pièces. Attention, ne jamais mettre les doigts dans sa gueule. Même avec vos gants, il vous coupera les doigts. C'est un véritable étau. David le sait bien et il fait très attention quand il récupère ses poissons en les tenant par les yeux. Je me sers souvent de l'intersection entre les poteaux verticaux et les poteaux transversaux qui créent un point d'appui pour observer les pagres et les cibasses à l'arrêt dans le courant en train d'attendre leur nourriture apporté par celui-ci. C'est vraiment un spectacle magnifique. C'est au tour de Gilos, qui malgré son handicap et sa chevillère, va se lancer dans une apnée pour essayer de faire son poisson fétiche, le tassergal. Il bascule et descend. Je suis très stressé, plus que lui certainement, car son handicap peut être vite une faiblesse. Je reste là, tranquille, j'attends, angoissé, et j'écoute. Le tir, ça y est, il a tiré. Je sais que là, il va falloir aller l'aider. Je descends immédiatement pour aller à sa rencontre. Je descends dans l'eau verte. Mais où il est? Le stress monte. Je sais qu'avec le poisson et son handicap, c'est dangereux. Je le cherche partout, je tourne autour de moi, je ne le vois pas. Je remonte. Je suis stressé. Où il est? Mais où il est passé? Ah, il est là. Ah, je te trouvais plus, putain, j'avais peur. T'es là, hein? Je te trouvais plus, je descendais, je te voyais plus, putain, j'étais terrifié. T'as tiré un énorme tassergal! Il a tiré un énorme tassergal! Ouais! Putain, tu m'as la fait chier là! Je l'ai manqué à le doublant! Ah, je peux pas là! Je tiens les deux fusils et le poisson! Oh putain! Oh là 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 là! Il est magnifique! Le monstre! Là, je suis dans la merde parce que j'ai les deux fusils, tout est emmêlé, c'est un bordel. Yeah, yeah, Gilo! That's a good one. C'est bon, t'as tout, t'as l'air. Non, mais toi, c'est jour, il est réussi. Ah, complètement. Bah, alors là, il me dit, je crois que j'ai tiré un gros cibasse. Non, non, un gros tassergal. J'avais pas compris. Ok. Il aime à la mort. Wow. Mais ça va être assuré. Tu t'es déchaîné là. Là, tu t'es déchaîné là. Il s'est déchaîné là. Après cette victoire pour Gilos, je continue mes apnées. Et là, un énorme banc de cibasses me monte dessus. C'est magnifique. Ça éclate. Ça revient. C'est vraiment spectaculaire. Mais je cherche toujours le tassergal. Je sais que je vais en trouver un au milieu, c'est sûr. Je suis patient, tranquille. Ah, là, je l'ai repéré. Oh, lui, il est mort. Séché. Ah, très très belle action. J'adore ces actions où le poisson ne me résiste pas longtemps.
Et maintenant, il faut gérer sa remontée, gérer les piliers, bien regarder où on va, ne pas stresser, remonter tranquillement et tout va bien. C'est vraiment infesté de tassergal par ici. C'est vraiment un régal. S'accrocher au pilier, regarder en dessous tranquillement. Et voilà, encore un qui arrive. Un tir. Ouh, celui-là, il n'est pas très bien tiré. Il commence à partir à vouloir s'enrouler au poteau. Je le résiste de suite, le bloque, le remonte. C'est bon, il est fait. Qu'est-ce que c'est beau ces poissons qui te passent devant là, presque à l'arrêt. Oh, c'est vraiment spectaculaire, ils sont magnifiques. Si on pouvait avoir ça en France. Allez, une nouvelle descente. Je veux mon cinquième tassergal de la journée. Le banc de Sibas est là. Je descends, j'observe tranquillement. Ils éclatent, ils descendent au fur et à mesure au fond avec moi. Je suis patient, tranquille. J'attends mon poisson. Mon tassergal. Il va arriver, c'est certain. Ils sont un peu plus méfiants que les Sibas. Voilà, je regarde. Voilà, ils sont beaux, ils arrivent, ça monte. Il est là. Blam! Je rappelle que tous mes tirs sont faits au 90. Histoire de mettre un peu plus de piment au jeu. Le poisson est séché, je remonte en gérant au mieux le passage des piliers qui s'enchevêtrent. Il faut être très 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 prudent sur cette remontée, ça peut être vraiment dangereux. Et on est bien heureux de voir arriver la surface, croyez-moi. Il leur tape sur la tête. Ils ont la tête dure, hein. Maman. Ça c'est signe de... De gros combat, hein. Gros combat. Il leur laisse pas beaucoup de chance, hein. Maybe it is dangerous, dangerous, hein. Oh, il a trouvé les six basses. Bass. Ah oui, un joli banc. Nice. Ah, joli, joli le banc. Cool. Allez, mon Gilos. C'est parti, c'est le grand jour. Let's go. Ouais, le 110, ça suffit. Ouais. Au revoir, le 130 est de Bragé, parce que... Non, on le laisse pour Gilos, t'as raison. Le 110, ok. Sinon, tu prends le 90, ouais, on sait jamais. On se le passe, on fait chacun l'appeler. Ouais, just one. Mais où, ici, là, de suite? Là, il va nous remettre. D'accord, ok. Ça va, mon Gilos? Avoue que dans ta tête, c'est en train d'aller de mieux en mieux. Gilos est au fond. Il sait qu'il n'a pas beaucoup d'apnée. Il y a 10 mètres d'eau. Et heureusement, un gros Sibas arrive immédiatement. Aucune hésitation, c'est sa chance. Il tire. Il a fait ce poisson, il remonte. Malgré le combat, et il laisse filer le moulinet pour ne pas résister. En surface, il commence à se battre. Sylvain est à côté de lui. Il est énorme. Je suis sur le bateau. Et je vais arriver pour les aider. Car Sylvain n'avait pas pris de fusil pour sécuriser Gilles. Il est énorme. Gilles est très stressé, mais il ne le montre pas. Il se bat, il remonte sa ficelle avec son poisson, tranquillement. Son cheville ne lui fait pas trop mal, donc ça va. Il résiste. Il est énorme. Et j'arrive. Énorme. Il faut aller le doubler. Another game. Je prends mon 90 pour aller l'aider à le doubler. Je saute à l'eau. J'arme le fusil au premier cran, ça suffira.
Regarde si je filme. Et je rejoins Gilos qui est toujours en train de se battre avec son appel. C'est rigolo. Allez, faut que je remonte son fil. Je le remonte. Je me ventile tout en remontant. Je bascule, je descends. Je vois le poisson qui se débat. Et je le tire. Je le remonte. Je sais que j'ai soulagé Gilles, son poisson et son séjour est réussi. Not very big. Gino ! Allez, à mon tour, je vais m'amuser un peu. Je descends 12 mètres tranquillement, tout doucement. Ce sont des apnées faciles dans le courant. On arrive sur le plateau rocheux, boum, le banc éclate. Je me positionne tranquillement. Je vais être patient. Voilà, je suis bien positionné entre deux cailloux. Je commence à observer autour de moi. Un qui passe là-bas au fond. Tranquille, on le laisse. Ah, le banc arrive. Ouh, mais il y en a un gros dedans. Je le choisis et je tire. Parfait. Il vrille autour de lui, il est séché. Je le remonte sans trop de difficultés. C'est vraiment un beau poisson. La pointe détachable, c'est tout entortillé et c'est tant mieux, comme ça, il ne bougera pas. Vive le Red Skull. Dommage que Epsilon ait arrêté cette marque qui était exceptionnelle au niveau du fil. Je pense qu'il n'est pas gros, mais en fait, bah, il est pas mal. Non, c'est un beau poisson. Il fait ses 20 kilos. Il est gros. Tu peux brider direct. Allez, une nouvelle apnée. Toujours sur un fond de 12 mètres. Je descends, j'observe, je cherche la pierre pour pouvoir me placer de façon à me cacher comme en Méditerranée. Ils arrivent tranquilles, je les regarde, je suis patient, je laisse passer, je prends le plus gros, celui qui m'intéresse et je tire. Encore un magnifique tir. Arrivé en surface, je le remonte. Le poisson est parfaitement bien tiré, rentré d'un côté, sorti par la bouche de l'autre. Il est incapable de se défaire. La pointe détachable étant très pratique pour ça. Voilà, un beau poisson. Encore un beau poisson. Ce sont des poissons de 20 kg chacun. Entre 18, 19, 20 kg. Ça fait plaisir de tirer des pièces comme ça. Perfect.
Thank you very much. This day is a dream. A dream day.